Non, dans la poche intérieure. De l'autre côté. Ah. Bravo. Mireille a dit on y va. Merci. On est là. L'imprimeur, l'électricien, le décorateur, le musicien, le dessinateur, l'éclairage, le sonorisateur. Ouhou, le travailleur. Ouhou, le travailleur. L'habilleuse, le balayeur, la maquilleuse, le poursuiteur, le metteur en scène et le chanteur, sans oublier l'organisateur. Aujourd'hui, c'est une organisatrice. Mireille, merci à Mireille. Karine, Chloé, voilà, toute l'équipe de Vivre la rue, une première fois. Le travailleur, tout le monde est arrivé à l'heure, tout le monde est là en votre honneur pour vous donner un peu de bonheur, chère spectatrice, chère spectateur. Le travailleur, hurrah, hurrah, hurrah pour le travailleur. Merci, merci. Oui, c'est parce que il en faut du monde pour faire un spectacle. Surtout une super production comme ce spectacle-ci. Qui, sous ses allures modestes, n'en est pas moins une super production. En effet, vous ne croyez pas, mais si vous ouvrez grand les yeux, que vous regardez attentivement, regardez. Regardez, là, vous les voyez? Il y a du monde sur scène, autour de moi. Là-bas, tout au bout, mon papa, Jean-François-Marie Guillou, maître canonnier, officier des équipages de la Marine nationale. Près de lui, ma maman, Georgette Herveline Anna Lahaye, vendeuse chez Sigrand à Brest, puis femme au foyer, puis tenancière du bar Le Virage dans le quartier de Quérinou à Brest, rue Commandant Drogou. Près d'elle, son papa, Julien Lahaye, grand chanteur devant l'Éternel et aussi officier des équipages de la Marine nationale. Et près de lui, sa femme, ma grand-mère, hein, Yvonne-Émilie Lemerdy, douarneniste et championne de Cougnamande. Et de l'autre côté là-bas, le papa de mon papa, Jean-Marie Guillou, officier des équipages de la Marine nationale.
pas commode, le mec, paraît-il qu'il arrivait de campagne avec ses gants blancs, il passait sur les meubles, il fallait pas qu'il y ait un grain de poussière. Et près de lui, sa femme, Marie-Isabelle Parent, femme au foyer. Et près d'eux, tout au bout là-bas, regardez là-bas, mon parrain, mon tonton, le frère de mon papa, tonton Robert, Robert Guillot, officier des équipages de la Marine nationale. Vous voyez la brochette un peu? Alors vous pouvez imaginer sans mal que eux tous réunis, ils n'avaient pour moi qu'une seule ambition, c'est de me voir moi aussi un jour revêtir un uniforme de la Marine nationale. Ce qui fait qu'à ce qu'on m'a raconté le jour de ma naissance, il y avait le tonton Marcel qui venait du centre Bretagne, qui était là en train de piaffer et puis d'arpenter les couloirs en chantant c'est la tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Et tout d'un coup, il se précipite à la fenêtre et il dit c'est un garçon, il s'appelle Gérard et son papa, il a dit qu'il serait militaire, il irait à la flèche au Britannique militaire. Ce qui fait que quelques années plus tard, autour de 10 ans et demi, 11 ans, je suis allé à Quimper avec mon grand-père, Julien, officier des équipages de la... Voilà, j'ai passé le concours, et quand j'ai appris que j'étais reçu, quelques semaines plus tard, j'ai fait « Ouais !» Et j'ai fait des cabrioles sur mon lit, j'étais aux anges. Et peu de temps après, mon papa est parti vers des contrées plus mystérieuses. Je suis parti à la plage dans une voiture de sport. Avec une copine à ma soeur, la femme du garagiste qui vendait les bagnoles les plus classes de la ville. Papa, pourquoi tu me bats? Décapotable, il y avait des sièges en cuir, il faisait chaud, ça sentait fort, j'ai eu envie de vomir. Elle a freiné dans les fougères juste au-dessus de la mer, et j'ai rendu tout mon petit déj qui avait un goût amer. Papa, pourquoi tu me bats? C'était une belle maison juste en haut de la falaise. Dans le jardin, il y avait des roses, des cerises et des fraises. Le jardinier en avait plein dans un panier tout blanc, mais j'ai pas voulu en manger, rouge sur blanc, tout fout le camp. Papa, pourquoi tu me bats? J'ai enfilé un boxeur short et j'ai foncé à la plage. J'ai fait un super château fort avec des tours, des coquillages, des fossés, des murailles, avec des galets bleus. C'était l'heure du 4 heures, y a eu du phare, des confitures et des brioches au beurre. Des tintins, des spirous dans le canapé à fleurs, le vent, le soleil et la mer, on aurait cru le bonheur. Papa, pourquoi tu me bats? On est rentré par les virages dans la voiture de sport. Quand on est arrivé chez nous, mon papa était toujours noir. Et c'était pas plus mal, vu qu'il me faisait trop peur. De se coucher gentiment, le lendemain y avait du boulot vu que c'était l'enterrement. C'était
était l'heure de se coucher gentiment. Le lendemain, il y avait du boulot, vu que c'était l'enterrement. Ouh, papa, pourquoi tu me bats? Papa, pourquoi tu me bats? Papa, pourquoi? Et quelques mois plus tard, à la rentrée de septembre, je suis entré au prestigieux Prytanée militaire de La Flèche. La Flèche dans la Sarthe, pas loin du Mans là par là. École fondée en 1604 par Henri IV pour alimenter en personnel d'élite le vivier de l'armée française, dont je faisais désormais partie. Bon, c'est vrai, au début c'était un peu dur, on rentrait que tous les mois et demi à la maison, c'était un peu long. Et puis, on s'habitue à tout quand on est gamin, je me suis habitué très vite. Et à ce moment-là, peut-être par compensation, je me suis mis à l'harmonica. L'harmonica chromatique, hein, celui qui a un petit piston sur le côté et qui permet de jouer toutes les notes. Et avec un copain qui s'appelait Schreiber, on faisait un duo et on jouait dans les douches, hein, les grandes douches collectives carrelées, là. Il y avait une réverbe super, ça résonnait bien. Alors on trouvait que c'était beaucoup plus beau. Et par exemple, on jouait à deux, on jouait à... Voyez de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont s'entendre. Griffons le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font le beau temps. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Dalida. En fait, j'aurais bien voulu chanter, mais c'est pas commode de chanter avec un harmonica dans le bec. Et en réalité, j'étais déjà chanteur. Ah ouais, parce que je chantais dans la chorale, j'étais soprane. Et un dimanche sur deux, ou un dimanche ou deux par mois, on chantait avec la chorale dans la grande église du Grand Prytanée, une église baroque, paraît-il, renommée, avec des décors absolument incroyables partout, du marbre dans tous les coins, hein, des pilastres, des piliers énormes, des angelots qui volent dans tous les plafonds. Et nous, on jouait à l'arrière sur la tribune d'orgue, où il y avait toujours des tuyaux d'orgue en réparation. Et évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de souffler dedans, et ça faisait... Et donc on chantait, sous la direction du curé, on faisait... Non, en vrai, on ne le chantait pas. Mais on n'avait pas le niveau. Au grand désespoir du curé, qui nous est répété dans la sacristie juste avant. Là, il y avait des placards pleins de chasubles, d'étoles, de vêtements ecclésiastiques de toutes sortes. Ça sentait un peu le moisi. Hein. Et donc, tout ça, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que, arrivé vers 12-13 ans, comme beaucoup de gens de ma génération, hein, j'avais une culture catho super balèze. Maternelle chez les bonnes sœurs au Pilier Rouge, à Brest. Après, début du primaire, Charles de Foucault chez les frères, à Brest. Suite du primaire, la Croix-Rouge, à Brest. Et après, la Flèche, le Sabre et le Goupillon, la totale. Quoi. Ce qui peut expliquer sans doute que, bien des années plus tard, quand je suis devenu chanteur pour de vrai, j'ai mis en musique un texte qui me plaisait beaucoup, que je trouvais très beau. Et puis un jour, un monsieur vient me voir à la fin d'un spectacle et me dit « Mais ce que vous avez chanté là, on dirait, très bizarre, on dirait que c'est le Cantique des Cantiques, on dirait la Bible. » Moi qui avais viré ma cutie sérieux entre temps, je dis « Moi, la Bible, le Cantique, sûrement pas danger. » Et puis en fait, je me suis renseigné, il n'avait pas tort, il avait même raison, c'est effectivement très très proche du Cantique des Cantiques, sauf que ça a voyagé à travers les langues, à travers les pays, et moi je l'ai trouvé dans un recueil qui s'appelait « La Cantelletta », et des petites chansons venues de Finlande, des chansons d'amour et des chansons pour les enfants. Mmh.
chérie, marche vers moi. De pas en pas, je le saurai. Je me le dirai, à la distance d'une verse, même si de nous séparer. Vu dans ma peur, je volerai, au volu de mes balerets, ma bouche à tes baisers offerte. En flamme, je fuserai, en jeune flamme, jaillirai. C'est un brin de bruyère. Son cou, c'est un brin de bruyère.